Bien sûr, tout ça se fait à pareil des Bon, la première chose à faire, à mon avis, c'est de vérifier que le compresseur n'est pas cassé, n'est pas hors service. Pour ce faire, vous allez avoir besoin d'un multimètre en mode ohmmètre. Euh, alors moi, je me suis mis sur le calibre 200. De toute façon, si c'est pas suffisant, il me le signalera. Alors, les choses sont prévues de manière à ce qu'il faille mettre le rouge, le pôle plus, sur la broche du haut et vous choisissez une des deux du bas. J'obtiens 72. Ensuite, je laisse le rouge sur celui du haut, sur le pin du haut, et je vais toucher l'autre. Bon désolé, il y a mes doigts qui obscurcit, qui empêchent de voir correctement. Là, j'ai on va dire 23. Alors j'additionne ces deux valeurs, 72 plus 23, ce qui nous fait 95. Et maintenant, je mets chaque borne de mon mètre sur une des deux broches du bas. Bon là, je trouve 93. En fait, je dois trouver la somme des deux valeurs. Donc ça veut dire que c'est bon. Si j'ai bien deux valeurs de résistance mesurées comme j'ai montré et qu'en les additionnant, je trouve bien à peu près la valeur... trouvée en mesurant le... Résistance des deux broches du bas, ça veut dire que mon compresseur est ok, que mon, le moteur dans le compresseur fonctionne correctement. Il n'est pas hors service. Cependant, votre moteur peut tout à fait être en bon état de marche, mais grippé, coincé, ça arrive sur ces compresseurs. J'ai lu sur internet des témoignages de professionnels qui ont récupéré le fonctionnement du compresseur en l'alimentant. Et immédiatement après l'avoir branché, en lui tapant dessus avec un maillet assez fort, un maillet ou une autre pièce de bois, ce que vous avez sous la main, immédiatement après l'avoir branché. Je vous mets ces témoignages dans la description sous la vidéo. Si vous voulez recevoir les prochains tutoriels du même genre, je vous recommande de vous inscrire à ma newsletter spéciale complètement gratuite. Le formulaire d'inscription complètement gratuit, je vous le mets dans la description sous la vidéo.